Salut les amis, c'est Christopho. Aujourd'hui, je vais vous présenter les portes. Donc, les portes au sens objet qui peuvent s'ouvrir et se fermer. Jusqu'ici, on a dans nos exemples de donjons comme ça, on a des tiles de portes qui sont ouvertes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de porte, c'est juste un passage. Qu'on mette un séparateur ou non d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce tile particulier est fait pour les portes qui sont toujours ouvertes, donc pas vraiment une porte au sens Solarus. Et celui-ci, c'est pour une porte qui peut se fermer. Donc pour faire une porte fermée, c'est cette entité-là, ajouter une porte. Alors, sprite, donc dans le A Link to the Past, dans le resource pack de A Link to the Past, vous avez les genres de portes de A Link to the Past, donc forcément. Porte fermée tout court, porte fermée et qui peut s'ouvrir avec une petite clé, porte fermée qui peut s'ouvrir avec la grande clé. Et vous avez aussi les murs fissurés, parce que dans Solarus, les murs fissurés peuvent très bien être faits, représentés comme des portes. Et il y a même ajouté des blocs fissurés qui ne sont d'ailleurs pas dans A Link to the Past. Peut-être que je les enlève du pack. En tout cas, on va commencer par une porte simple comme ça. Donc là, j'ai mis que le sprite. Après, c'est à vous de définir le comportement de votre porte, c'est-à-dire quelle est la façon de l'ouvrir. Donc, celle-ci, habituellement, c'est on l'ouvre avec un mécanisme. Donc, on va la cocher par script. Donc, et puis, on va la faire regarder. Et il me semble qu'il faut mettre gauche, voilà, puisqu'elle est à gauche d'une salle en fait. Elle est à gauche de Link. Alors, évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. D'ailleurs, on va enlever les séparateurs pour cet épisode. Pour bien voir ce qui se passe. Donc là, évidemment, bah voilà, on peut pas passer, il y a une porte. Et puis on va faire un petit mécanisme pour ouvrir la porte. Mettons un bouton. Non, pas ennemi, entities, switch. Et on va l'appeler door switch. Et donc dans notre script, on va dire que lorsque door switch est activé, alors on veut ouvrir notre porte, donc il va falloir lui donner un nom. Alors qu'on imagine qu'on fait un vrai donjon avec plusieurs salles, plusieurs portes. On peut les appeler par exemple A, B, C, D, door A, door B, door C. Donc voilà, door A pour celle-ci. Et alors, doors. Ok, donc il y a des fonctions pour savoir si elle est ouverte ou si elle est fermée. Et d'ailleurs, les sprites de porte, donc ce sont bien des sprites. Et ils ont la particularité d'être spécifiques au tileset, c'est-à-dire que si vous changez de tileset, le sprite de la porte, en fait, il s'adapte. Bon, je vais pas tous les faire. C'était quoi? C'était celui-ci. Donc si vous allez le voir, temps normal. Voilà. Il a comme image source en fait, non pas une image PNG, mais la source c'est le tileset courant. Donc là, quand vous êtes dans l'éditeur de sprite, vous pouvez choisir avec quel sprite vous affichez votre porte. Il faut cliquer là pour actualiser. Mais en tout cas, au moment du jeu, dans le jeu, ça va s'afficher avec le tileset courant.
Ok, et donc là évidemment on a deux portes à ouvrir, on n'en a pas qu'une. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les lier. Enfin on va les lier. On va leur donner le même nom et je mets OK. En réalité elles n'ont pas le même nom. Le moteur, l'éditeur automatiquement va ajouter un préfixe underscore 2, underscore 3, etc. Et donc il faut ouvrir les deux à la fois. Et pour ça on utilise la fonction map openDoors. Et puis on donne le préfixe, mince, door A. Et donc là en fait ça va ouvrir toutes les portes dont le nom commence par door A. Donc ça va ouvrir ces deux-là. Et puis on va peut-être jouer un petit son. Il y a un son d'ouverture de porte. Est-ce qu'il est door open? Voilà. Voilà comment ouvrir une porte avec un mécanisme. Alors il y a plusieurs modes d'ouverture. Par script, c'est ce qu'on vient de faire, c'est un mécanisme scripté en Lua. Par le héros, c'est-à-dire le héros peut ouvrir directement la porte en se mettant devant et en appuyant sur la touche d'action. Donc c'est normalement pas le cas des portes ayant ce sprite. Par une explosion, bah ça c'est en fait pour les murs fissurés. Ça va s'ouvrir s'il y a une explosion qui entre en contact. Et puis vous pouvez aussi autoriser le héros à ouvrir, donc toujours en interagissant avec la touche action, mais sous réserve que une certaine variable de sauvegarde soit non nulle. Ou alors sous réserve qu'il ait un item. Donc typiquement une clé. Ouais, on n'a pas fait de clé, mais on pourrait. Et puis dans ces deux cas-là, vous pouvez décider si la variable se remet à zéro ou si l'item disparaît après utilisation. Donc par exemple, si vous faites une porte fermée par la grande clé, vous allez mettre probablement par le héros et l'item nécessaire, ça sera la grande clé du donjon. Bon là j'ai laissé j'ai laissé heart mais ça n'a aucun sens. Et puis si vous faites une porte fermée par une petite clé, alors pour la grande clé, pardon, quand c'est la grande clé dans Zelda on peut l'utiliser plusieurs fois, elle disparaît pas, donc on mettrait grande clé ici puis on cocherait pas ça. Et ici c'est alors si vous faites les portes avec petites clés, on fera un tuto exprès sur ça. Il y a plusieurs moyens d'implémenter les petites clés. Vous pouvez faire un item petite clé comme il y a l'item grande clé. Et c'est un item muni d'un compteur. Et là, pour le coup, vous allez décrémenter le compteur de l'item. C'est un petit peu plus compliqué à gérer parce qu'il vous faut un item avec une quantité et ainsi de suite. Ok, donc on va annuler. Et puis, oui. Il est possible de sauvegarder l'état de la porte. De n'importe quelle porte. Souvent, les portes verrouillées sont même toujours sauvegardées dans Zelda. Ok. On va faire un exemple maintenant de porte extérieure. Parce que... Alors là, on a vu les portes dans les donjons. Mais qu'est-ce qui se passe dans le tileset extérieur? En fait, il n'y a pas toutes ces portes. Ah, bah, il n'y a pas celle que je voulais. Zut. Ah, c'est parce qu'elle n'est pas. Attendez. Ah, elle n'y est pas dans le pack pour l'instant, celle-ci. J'avais envie de vous montrer. En fait, de mettre une porte comme ça. Une porte de caverne.
Donc je vais peut-être quand même l'ajouter vite fait dans mon tileset. Et donc, vous vous souvenez, bah ça me permet de vous expliquer justement. Pour chaque tileset, vous aviez deux fichiers PNG. J'avais expliqué celui-ci qui contient les tiles. Et en fait, l'autre, c'est celui-là. Je vais ouvrir aussi celui-là. L'autre, il contient les sprites qui dépendent du tileset. Donc, c'est le cas de toutes les portes. Donc ça, c'est le fichier de sprite pour le tileset du château. Il y en a un autre pour le tileset du monde de la lumière. Donc, on va ajouter light world tiles. Juste copier-coller ce truc là et puis on va le mettre. Donc en fait ça correspond à cette porte là. Tac. Et dans les autres directions, elle n'existe pas cette porte de toute façon. Attendez, juste être sûr d'avoir les bonnes couleurs, voilà. Ok. Donc tout ça pour dire que maintenant, si j'ouvre ma porte, enfin si j'ouvre ma porte, j'ouvre le fichier sprite de la porte et que je mets le tileset light world, ça devrait, voilà, on trouve notre porte. Donc le sprite est un peu plus grand parce que c'est le sprite pour les portes, quel que soit le tileset. Mais ça, c'est pas gênant, il y a un peu de transparence des deux côtés. Et donc là, on va créer une porte. Donc door normal, et ceci on va autoriser le héros à l'ouvrir. Voilà. Direction haut. Ok, bon, c'est pas trop fait normalement pour une entrée de caverne, mais on va faire avec. On va mettre la porte là-dessus. On peut la mettre en dessous, comme ça. Alors, je mets ça de côté pour le moment. Donc, bien sûr, on a un petit problème, puisqu'il y a tous ces tiles qui s'affichent et qui montrent la porte ouverte, qui sont plus grands que la porte. Nous, on voudrait qu'il y ait juste un mur tant qu'elle n'est pas ouverte. Donc, pour corriger ça, on va éventuellement ajouter deux tiles dynamiques qui vont en fait masquer comme ça. Alors, on va appeler door A encore. Et puis quand on va ouvrir la porte, on veut que les deux tiles dynamiques disparaissent. Donc ça peut être fait par un script, mais en fait c'est un cas tellement courant, d'ailleurs dans les donjons c'est super utile pour les murs fissurés, que si vous allez voir la doc, elle explique que, alors dynamique, ces deux tiles, il faut les convertir en tiles dynamiques. Je vais remettre derrière la porte, voilà. S'il y a des tiles dynamiques dont le nom commence dont le nom commence comme le nom d'une porte et ensuite soit closed soit open, ben ils vont s'afficher que si la porte est alors respectivement fermée ou ouverte. Nous on veut qu'ils s'affichent que quand elle est fermée. Donc door A closed. Et door A closed aussi. Donc lui, il va avoir un suffixe, mais ça va marcher quand même.
Donc active au démarrage ou non, ça n'a plus d'importance, maintenant c'est géré par la porte en fait. Donc là quand on va ouvrir la porte. Sors de là, zut. Attendez, je vais mettre à jour mon fichier de sauvegarde. Mon script de démarrage. Ah et puis aussi il faut que je remette ça. Donc là la porte elle est ouvrable avec la touche action puisqu'on a dit ouvrable mode d'ouverture par le héros. Boum, et donc ça fonctionne. Le moteur détecte tout seul qu'il y a des tiles qui ont le même préfixe que la porte et ensuite closed. Par contre il faut sauvegarder l'état de la porte cette fois-ci. C'est chapitre combien? 31. Tac. Parce que vous avez vu que quand on est revenu sur la map, elle était à nouveau fermée. Voilà. Donc les tiles dynamiques, encore une fois, se mettent en accord avec l'état de la porte automatiquement. Ok. Et dernier minuscule détail. En fait, ça serait un peu légèrement plus joli si le téléporteur était un peu plus haut de 8 pixels et la destination aussi. Et ça, une couche plus haute. Pour que cette partie-là s'affiche bien au-dessus du joueur. Du héros. Ah, du coup, on a un problème avec la porte là. Ça aussi, il faut le monter d'une couche. Donc voilà, vous pouvez faire quelque chose de ce genre-là. Je pense que ça devrait rendre... Ouh ! Ça devrait rendre bien. Oui, donc forcément, il faut quand même faire attention à notre destination. Ok. Bon, ça c'était juste un petit détail. Vous organisez vos graphiques comme vous voulez. Donc voilà pour les portes. Et on verra plus tard sur l'épisode qu'on fera des bombes et des murs fissurés que les murs fissurés sont aussi des portes. Avec le sprite Weak Wall et le mode d'ouverture par explosion. Donc ça a cette tête là. Mais non, j'ai annulé. Et voilà donc. Et puis on fera aussi des épisodes sur les petites clés et peut-être aussi sur les clés en général, puisque j'ai pas vraiment fait l'exemple, j'ai expliqué, mais ça sera peut-être plus clair si on fait un exemple. Mais voilà, en tout cas, c'était pour les bases de l'utilisation des portes. Ok, bah sur ce, merci à tous, et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Salut !